Le premier élément de notre deuxième cercle est la géographie de votre destination. Pour cela, on va considérer quatre facteurs. On va chercher les hauteurs, comme les belvédères, les falaises ou encore des montagnes. On va se familiariser avec la carte. On repère les points d'eau afin de les intégrer à nos images. Ça peut être des lacs, fleuves, mers ou encore des chutes d'eau. Et en dernier, détecter les routes qui vont nous mener vers nos lieux de prise. Tous ces éléments ont un point commun, l'utilisation d'une carte. Elle peut être en papier, mais aussi numérique, qui a l'avantage d'avoir plus de détails et de mise à jour. Les plus connus sont Google Maps, Apple Maps, OpenStreetMap et Google Earth, qui vous donnera plus d'outils comme le calcul des distances ou encore de l'altitude. J'ouvre une parenthèse pour répondre à une question récurrente. Que fait-on lorsqu'on est dans une localisation sans possibilité de données cellulaires? Google, parmi d'autres, vous offre une visualisation des cartes en mode hors connexion. À vrai dire, vous pouvez activer cette fonctionnalité en quelques clics. Évidemment, pour l'activer, vous devez être dans une zone où vous avez accès à Internet, car l'application va télécharger la zone voulue et la sauvegarder sur votre téléphone. Avant toute chose, positionnez-vous sur l'endroit de votre choix. Dans notre cas, on veut télécharger la carte de Londres. On peut aussi faire une recherche d'un emplacement connu de cette ville, dans notre cas, Big Ben. On sélectionne l'icône en haut à gauche pour accéder au menu, puis le quatrième choix, région hors connexion, et enfin zone personnalisée. Une nouvelle fenêtre nous indique l'étendue de la zone à télécharger et nous indique même l'espace qui sera nécessaire pour la sauvegarde. Finalement, on peut commencer le téléchargement. J'aimerais aussi partager avec vous un raccourci qui nous dispensera de ces quatre étapes. Au lieu de se rendre dans le menu de l'application, choisissez la zone d'écriture, entrez les mots OK Maps, la fenêtre de téléchargement apparaîtra directement. Après le déclenchement du téléchargement, vous aurez une fenêtre qui vous indiquera la progression. Évidemment, après le voyage, n'oubliez pas de libérer cet espace de stockage sur votre téléphone. Pour cela, vous devez revenir au menu et sélectionner « Région hors connexion », puis « Zone personnalisée ». Et enfin, supprimer la carte « Enregistrer ». Pour bien comprendre cette préparation géographique, on va détailler quelques exemples. Voici le nord de la ville d'Alger. Juste le fait d'étudier la carte de la région, on a déjà commencé un des quatre éléments de la préparation géographique qui est la familiarisation avec la carte. La deuxième étape est de rechercher les hauteurs, puis documenter les positions possibles. La prochaine étape est de détecter les routes principales, puis les routes secondaires pour atteindre nos positions de prise de vue. En dernier, repérer les points d'eau, dans ce cas la mer Méditerranée. Je vous propose maintenant de se concentrer sur un seul point. On va documenter une première possibilité de capture avec ce qui ressemble à une piscine au bord de l'eau. Voici le résultat qu'on aura une fois sur place. À côté de cette piscine, il y a comme une baie artificielle. On peut considérer un plan plus large. Voici le résultat après la prise. Si on avance encore, on remarque deux petits stades qui méritent un plan serré. À côté, un cimetière. Et ainsi de suite. Évidemment, il faut faire cet exercice avec tous les points qu'on avait sélectionnés. Vous devriez aussi zoomer afin d'être plus précis et ne rien rater. C'est le moment de repérer les routes secondaires pour atteindre notre point en hauteur. Dans cette position, on peut distinguer un grand stade de football en bord de mer, mais l'angle de prise n'est pas optimal. On aimerait être plus bas pour montrer un match ou un entraînement si possible. Il y a une plateforme en contrebas, mais on aimerait zoomer encore pour confirmer cette position.
Avec cette plateforme, on distingue un édifice qui ressemble à une église ou à une mosquée. On prend note et on l'ajoute aux captures possibles de cette position. Voici la photo qu'on va obtenir. Et voici la position qu'on utilisera pour le stade en contrebas. On note le changement de position pour la photo du stade. Voici la photo qu'on va obtenir. Évidemment, ce qui marche du haut vers le bas va aussi marcher du bas vers le haut. On peut prévoir de se déplacer vers le bas et de prendre une photo qui montre les hauteurs de la ville. Voici ce qu'on va obtenir. On peut distinguer notre première position, la seconde avec la cathédrale et le stade. Évidemment, toute cette préparation n'est pas coulée dans le béton. Vous devez de temps à autre improviser sur place. Je vous donne un exemple vécu. Après avoir planifié une position haute pour prendre un petit port, je me rends sur place et je prends la photo. Mais une autre position attire mon attention. Si on se place sur ce point et si on prend une photo en direction du port, ça donnera la sensation qu'on est sur l'eau ou dans un bateau. On peut même attendre la sortie d'un bateau pour ajouter du mouvement. J'espère que tous ces exemples vous ont aidé à mieux comprendre la préparation géographique. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'impact du soleil sur nos photos et c'est probablement le point le plus important dans votre préparation.